Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a exaucé. Il faut dire, le Seigneur m'a exaucé. Je suis déjà béni. Les cieux sont ouverts sur moi. Et ce soir, je verrai la main du Seigneur dans ma vie. Vous êtes là? Où êtes-vous là-bas? Père, au nom de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom, nous bénissons ton nom ce soir. Tu es Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté, et tu es le Dieu de merveilles, de puissance et de miracles. Nous demandons cette nuit que tu ouvres les écluses des cieux et que tu confirmes la prière de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que tu supprimes toute écriture contre quiconque ici cette nuit au nom de Jésus-Christ. Que tu effaces toutes les ténèbres et toutes choses maléfiques semées dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Fais de ce soir une nuit de puissance, une grande nuit pour ton peuple, un temps de percée pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Exauce la prière de ton peuple. Fais au-delà de ce qu'il te demande ce soir. Confirme ta prière, ta puissance dans toute vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, assoyez-vous. Nous allons à Ésaïe 35. Ésaïe 35, je lis verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. Nous verrons la gloire de l'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Le Seigneur me dit de vous dire de prendre courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le salut gratuit, le plein salut dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, dans vos affaires, dans votre famille. Dans tout ce qui vous environne, le salut total de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Vous êtes là? Oui, la vision terne sera ôtée. Le glaucome sera ôté de vos yeux. La cataracte sera totalement effacée de vos yeux. Vous ne serez pas aveugles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Laissez que je m'arrête au verset 6. Ouais. Oui, quand on veut que les yeux aveugles s'ouvrent, donc il faut amener les aveugles. Si on veut que les boiteux marchent, qu'on amène les boiteux, les paralytiques. Mais si vous êtes là, il n'y a personne qui soit aveugle. Et si vous êtes là, il n'y a personne qui soit boiteux. Et seuls ceux qui sont dehors là-bas, qui écoutent au travers de l'Internet, qui sont aveugles, les miracles vont se produire partout. Et vous direz, mais on ne voit pas de miracles ici. Dieu merci, moi je vois de miracles. Je dis, Dieu merci, je vois de miracles. À la prochaine, quand vous viendrez ici, venez avec ces gens-là et Dieu miraculeusement, surnaturellement vous surprendra.
Verset 6, il dit alors, le boiteux se tourna comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau dans le repère qui servait de gîte aux chacals. Croîtront des roseaux et des jonques. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route au point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Là, dans votre vie, là, dans votre famille, la douleur, dans votre église locale, la douleur et les gémissements. Dans notre église, la douleur et les gémissements s'enfuiront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Voici votre nuit. Rien ne vous empêchera ce soir. Rien ne vous obstruera la voie cette nuit. Le Seigneur nous accorde une voie, une autoroute, une voie express. Une voie vers la puissance de miracle du Seigneur. Une voie. Il n'y a pas d'empêchement. Il n'y a rien qui vous empêche cette nuit. Vous allez y arriver. Deuxième roi, je lis verset 2. Deuxième roi 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion. Que quelqu'un m'aide à crier une double portion. Ce que vous aurez ce soir, criez-le, une double portion. Cela viendra sur vous cette nuit, une double portion. Cela viendra sur les jeunes, ce samedi spécial, une double portion. Une double promotion, une double prospérité, une double puissance. Ouais, je suis la seule personne qui crie ici. Je dis une double puissance, une double provision pour tout le monde. Toute famille recevra. Tout croyant recevra. Le Seigneur vous surprendra cette nuit. Miraculeusement, le Seigneur vous surprendra. Surnaturellement, il vous surprendra. Heureusement, le Seigneur vous surprendra. Et le Seigneur vous surprendra de tous côtés. Ce que vous n'avez jamais obtenu, vous l'aurez. Et dit, qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Nous allons à Jean 14. Jean au chapitre 14. Je lis verset 12. Jean 14. Voilà le verset 12. C'est clairement dit ici, selon les paroles du Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi. Y a-t-il de croyants ici cette nuit? Je dis, y a-t-il de croyants ici cette nuit? Vous l'aurez. Vous allez le posséder. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et pourquoi pas vous cette nuit? Je dis, les œuvres de Jésus, il dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes.
il en fera de plus grandes. Cela doit s'accomplir dans votre vie. On ne peut pas lire un verset de l'Écriture et l'oublier, dire que c'est pour eux. Cette parole est pour vous cette nuit, dans votre vie. Dans votre vie durant, ceci doit se passer au travers de vous. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Cela va-t-il se passer? Il en fera de plus grandes. Je dis, cela va-t-il se passer? Je vous ai dit que vous devez amener les aveugles. Même si vous n'avez pas amené les aveugles, et vous rappelez ces gens à la maison, lorsque nous prions, et que vous mentionnez leur nom, et que nous prions à la maison là-bas, alors nous allons envoyer la parole et leurs yeux aveugles là s'ouvriront. Je dis, vous n'avez pas amené les paralysés, mais ne vous en faites pas. Même ceux qui sont à l'hôpital, mentionnez leur nom. Et comme je lève ma main en faveur de telle personne et vous mentionnez leur nom, comme nous prions ici, un miracle va les atteindre là-bas. Et il en fera de plus grande, parce que je m'en vais au Père. 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Cette promesse ne peut jamais échouer. Cette déclaration ne peut jamais être reléguée par terre. Cela doit s'accomplir dans votre vie. Cela doit s'accomplir dans votre famille. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom cette nuit, ce soir, si vous demandez quelque chose en mon nom, là, vous êtes là, ce soir, cette nuit, dans ce culte, dans ce réveil, dans cet éditoire. Quand vous écoutez la parole de Dieu, si vous demandez quelque chose en mon nom, dites-moi ce qui suit, je le ferai. Est-ce que vous serez déçu? Il n'y a pas de déception dans votre vie. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voyons ces trois passages que je vous ai lus de Ésaïe 35 à 2 Rois 2:9 et nous sommes à Jean 14 verset 12 à 14. Cette nuit, je vous parle du thème la voix divine à la double portion du croyant. La voix divine à la double portion du croyant. La double portion sur ma vie cette nuit. Je dis la double portion sur ma vie cette nuit. Une double joie. Un double bonheur. Un double miracle. Une double guérison. Une double délivrance. Une double domination. Une double puissance. Une double promotion. Une double provision. Et un double héritage viendra sur vous. Je dis cela viendra sur vous. Vous allez donner votre témoignage. Ma soeur, je dis, tu vas donner ton témoignage. Mon frère, tu auras un témoignage ce soir. Double, double, double pour vous. La voix divine à la double portion des croyants. Nous allons voir trois points. Premier point, la commission avec des promesses dynamiques. Ouais, il y a une commission qui a des promesses qui ne sont pas statiques, des promesses qui ne sont pas mortes, des promesses qui ne sont pas dormantes, mais des promesses dynamiques. Une commission qui est donnée et qui est soutenue, cette commission est soutenue avec des promesses dynamiques. C'est dans votre vie ce soir. Quelque chose sera activé dans votre vie. Il y aura la joie en vous. Il y aura le bonheur dans votre vie. Il y aura la dynamite en vous cette nuit. Vous allez avancer cette nuit. Toutes ces choses qui lambinent, toutes ces choses qui dorment, toutes ces choses qui sont froides, ces choses qui sont léthargiques, cette nuit, le feu de Dieu et tout ce qui est froid et tiède aura la faveur au nom de Jésus-Christ. La commission avec des promesses dynamiques de la consécration. Pour la double portion, il y a des gens, ils lisent la parole de Dieu et la double portion leur est fermée. La double portion est proche, la double portion
C'est seulement, c'est comme frapper leur main et ils vont l'atteindre. Mais ils ne comprennent pas. Il y a quelque chose entre eux. Il y a quelque chose entre eux et la double portion. Le mur mitoyen entre vous et la double portion, cette nuit sera renversée. Le Seigneur va tout faire de possible. Toutes choses possibles. Si vous allez coopérer avec Dieu cette nuit, la double portion est déjà venue pour vous. Votre vie ne sera pas aussi froide, aussi insipide et tiède qu'elle demeure. Il y a une excitation, la joie au ciel déjà. Que ce soit, il y a une grande joie pour vous, une grande joie pour votre famille. Parce que la nuit de la double portion est maintenant arrivée. Et c'est pour vous. C'est pour moi. Quelque chose que vous avez reçu, cette nuit c'est le double. Quelque chose que vous avez expérimenté, cette nuit c'est le double. Mais il y a un engagement. Il y a une soumission totale. Il y a un abandon, une consécration au Seigneur pour la double portion. Troisième point, c'est la connexion. Cette nuit, vous êtes connecté. La connexion avec la puissance divine. La connexion avec la puissance divine. Je viens au premier point. Quel est votre premier point là-bas? La commission avec des promesses dynamiques. Je retourne. Je vais à 1er roi 19. 1er roi 19. 1er roi 19. Verset 15. Ici, le Dieu Tout-Puissant parlait à Élie. Élie était un homme découragé à l'époque. Il était un ministre découragé. C'est comme il voudrait jeter la faucille. Il disait au Seigneur que c'est l'heure de mourir. Et le Seigneur n'avait pas un plan de mort pour Élie. Il dit, je vais mourir. Toutes ces choses négatives que vous avez dites sur vous-même, ce n'était pas le plan de Dieu. Ces choses ne vont pas se produire. Ce n'est qu'un découragement. Ce n'est qu'un désespoir. C'est comme, qu'est-ce que je fais sur la terre encore? Mais vous avez quelque chose à faire sur la terre. Et vous allez le faire et personne ne prendra votre place au nom de Jésus-Christ. 1er roi 19, verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fille de Nimshi, pour roi d'Israël. Et qu'est-ce que je suis? Et tu oindras, dites-le-moi à haute voix, et tu oindras qui? Si votre Bible est grande, lisez cela et tu oindras Élisée, fille de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Attendez. Élisée ne savait pas qu'il avait une grande position qui l'attendait. Élisée ne savait pas qu'il a quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Et un ministère national que Dieu a pour Élisée. Et il était seulement un simple laboureur, un fermier, un cultivateur qui fait usage de ses bœufs et il labourait son champ. Et soudain, et là était là où Élisée était et Élie lui a été envoyé. Dieu connaît votre nom. Dieu connaît là où vous êtes à ce temps-ci et vous n'allez pas rester à ce niveau où vous êtes. Vous n'allez pas demeurer au niveau où vous êtes présentement. Il y aura un élèvement. Il y aura une promotion. Il y aura pour vous une marche en avant cette nuit. Il y aura une énergie, une puissance, un déversement spirituel que vous n'avez jamais expérimenté viendra sur vous cette nuit au nom de Jésus-Christ. Et si voici la commission pour Élisée, pour Élie, de choisir Élisée et qu'il va prendre sa place. Et vous allez rester dans votre chambre. Il va rester à ta place. Il va faire tout le miracle que tu as fait. Comme toi, Élie, tu as servi cette génération. Élisée va servir sa génération fidèlement. Et Dieu merci, voici votre temps. Vous allez servir votre génération. Vous allez servir de façon réussie au nom de Jésus-Christ. Jérémie 1,
verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous devez comprendre, la connaissance de Dieu n'est pas limitée. Avant que vous ne soyez né, il vous connaissait. Que vous soyez né dans ce pays, Dieu vous connaît. Mais quoi que vous ne le connaissiez pas et vous alliez par-ci par-là, Dieu vous cherchait. Et voici maintenant, il vous a amené dans le royaume. Les affaires maintenant vont commencer. L'œuvre va maintenant commencer. La nomination de Dieu va maintenant commencer dans votre vie. Ou la personne dont je parle, vous devez réussir. La volonté de Dieu doit s'accomplir dans votre vie. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et je t'avais établi prophète des nations. C'est comme Jérémie n'a rien fait de cela. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et laissez toutes vos excuses dans le verset 6. Je ne peux pas, mais tu le peux. Je suis faible, mais tu es fort. Je suis malade, mais tu es bien portant. Je ne connais rien, mais vous avez la connaissance de Dieu. Je suis petit, mais vous avez un grand Dieu qui vit en vous. Il n'y a personne qui m'écoute. Et tout le monde va vous écouter. Mais je n'ai jamais fait rien de pareil, mais vous allez le faire. Laissez toutes les conversions négatives que vous faites là, que vous dites de vous-même, mettez cela dans le verset 6 et enterrez cela là-bas. Avancez maintenant. Verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Faut plus répéter cela. Ce que vous disiez, je ne peux pas le faire, je n'ai pas ceci. Moi, je suis un vaurien, je l'ai essayé, chaque fois j'échoue. Ça, c'est le passé. Voici un nouveau jour. Il dit, voici un nouveau jour. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu ne les crains point. Ne les crains point. Certains vont paraître comme Nebuchadnezzar, mais ne les crains pas. Certains vont parler et agir comme Pharaon, ne les crains point. Certains vont sembler être comme Sennacherib. Je ferai ceci, je ferai cela. C'est un mensonge. Personne ne peut vous toucher encore. Regardez la parole de Dieu. Il ne faut pas regarder leur visage. Regardez les promesses de Dieu. Il ne faut pas regarder leur visage. Regardez l'appel de Dieu sur votre vie. Il ne faut pas regarder leur visage. Ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Ils ne vont pas vous abattre. C'est toi qui vas abattre le royaume des ténèbres. Tout ce que vous voyez dans le rêve, tout ce que vous entendez au cours de la journée ne peut jamais vous abattre. Vous avez Christ vivant au-dedans de vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Votre temps est maintenant arrivé. Vous allez déraciner. Vous allez arracher, abattre. Pour que tu ruines, vous allez ruiner toute œuvre du diable qui se tient devant vous au nom de Jésus-Christ. Et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel, verset 11, me fut adressée en ces mots. Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Avez-vous vu quelque chose cette nuit? Avez-vous vu une promesse cette nuit? Avez-vous senti une puissance cette nuit?
savez-vous que la promesse qui vous arrive cette nuit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il le fera pour vous. Il le fera au-dedans de vous. Il le fera au travers de vous. Marc au chapitre 16, verset 15. Marc 16, au verset 15. La commission avec des promesses dynamiques. La promesse qu'il vous a donnée, la commission qu'il vous a donnée comme il a donné à Élie jusqu'à Élisée pour venir à Jérémie, à Ézéchiel et pour le reste des prophètes. Toute cette commission est soutenu avec des promesses dynamiques. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je suis croyant. Moi, je suis croyant. Je crois en Dieu, je crois, je suis croyant. Je crois en Christ, je suis croyant. Je crois à la puissance du Saint-Esprit, je suis croyant. Je crois à toute la Bible, de page à page, je suis croyant. Je crois aux promesses de Dieu. Je suis croyant, je crois. À la parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ, je suis croyant. Je crois que la parole est pour moi. La prophétie est pour moi. Les promesses sont pour moi. Je le dis pour moi-même. La grâce est pour moi. La miséricorde est pour moi. L'onction est pour moi. Et tout ce qu'il a dit ici, parce qu'il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, est à moi. Tout est à moi. Cela va s'avérer dans votre vie. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Le poison ne vous tuera pas. La magie ne vous tuera pas. Les talismans, les gris-gris ne vous tueront pas. La puissance, les pouvoirs des ténèbres ne vous tueront pas. Vous allez passer tous vos jours jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, lorsque vous aurez fini, quand vous partirez. Le cancer ne viendra pas vous tuer. Je dis, viens, allons, cancer, tu n'es pas un messager de Dieu pour moi. Tu ne peux pas m'amener là où je ne vais pas. Je dis, le cancer ne vous amènera pas, le cancer ne vous amènera pas là-bas. La maladie dit que viens, allons. Maladie, tu n'es pas un ange de Dieu. L'ange de Dieu viendra m'amener. Je dis, un ange viendra vous amener. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher. Nous allons nous en aller. Frères et sœurs, je dis, nous allons nous en aller. Nous sommes assis depuis longtemps. Maintenant, nous en allons. Nous sommes très là dans le passé. À partir d'aujourd'hui, nous en allons. Et quand vous en allez, les promesses de la commission seront accomplies dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils prêchaient. Où est-ce qu'ils avaient prêché? Je dis, où avaient-ils prêché? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que quelqu'un là-bas crie Amen! Cela va se passer. Il a donné la commission et l'a soutenu avec des promesses dynamiques. Deuxième point maintenant, la consécration pour une double portion. La consécration pour une double portion. Nous retournons à
1er roi 19, la consécration de cet Élysée pour une double portion n'est pas pour le dernier jour. Et le dernier jour, lorsque Élie quittait, mais voyons lorsqu'il a reçu l'appel. Voyons lorsqu'il a reçu l'appel. Je vois maintenant 1er roi 19, je lis verset 19. 1er roi 19, verset 19. Il est parti de là et il trouva Élisée. Le Seigneur vous trouvera. Il vous a déjà trouvé cette nuit. Fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Il s'approcha de lui. Et il jeta quoi? Dites-le-moi. Il jeta quoi? Il jeta sur lui son manteau. Attendez un peu. Ce manteau qui est venu sur lui le premier jour qu'il a rencontré Élie. Est-ce que vous ne vous rappelez pas lorsque Élie était enlevé? C'est le même manteau qui était descendu. Une indication que quoi que ta consécration soit pour des années passées, 10 ans passés, 20 ans passés, Dieu n'a pas oublié votre consécration. Toute consécration que vous avez faite, toutes les choses que vous avez renoncées, même du passé jusqu'à ce temps-ci, Dieu va tout ramasser, va tout accumuler, va tout combiner. Il va rassembler toutes les consécrations jusqu'à ce temps-ci et votre miracle sera accordé. Et vous serez une main qui touchera d'autres mains. Et Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie. Ouais, Élie n'a rien vu, mais il a senti quelque chose. Élisée n'a rien vu en jetant le manteau sur lui. Il a su que la vie sera différente à partir de ce jour-là. Je vous dis, quand le manteau vient sur vous ce jour, votre vie sera différente à partir de cette nuit au nom de Jésus-Christ. Votre vie sera différente. Votre nuit différente. Votre vie sera différente. Votre courage sera différent. Votre aspiration, ambition sera différente. Et les choses, la chose qui se lève en vous, qui vous fait voir de nouveaux horizons, vous voyez l'au-delà, tout cela sera différent à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie n'a rien dit, Élie n'a pas dit « Suis-moi », mais ce qui n'a pas été dit vous sera compris. Ce qui n'a pas déclaré vous sera écouté. Ce qui n'est pas encore atteint, vous l'atteindrez. Et par la puissance de Dieu, par la force de l'Esprit, ce que quelque personne ne vous a dit, vous allez le comprendre et vous allez vous lever et vous allez prendre le bâton et vous allez courir. Je dis, vous allez courir. Et la puissance du Seigneur ne fera pas défaut dans votre vie. Et lui, il répondit, va et reviens. Car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva. Est-ce qu'il est resté en arrière? Puis il se leva. Il n'a pas retardé. Puis il se leva. Il n'augmentait pas. Puis il se leva et il n'a pas de questions à poser. Puis il se leva. Il n'a pas pensé à ce qui se produira dans le passé, dans le futur. Votre temps est arrivé. Le temps de se lever. Le temps de doute. Le temps de poser des questions. Le temps d'hésiter. Le temps de tituber. Tout cela a pris fin cette nuit. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. C'est là que sa consécration a commencé. Votre consécration a commencé peut-être des mois passés, des années passées, et cela continue, et cela va parvenir au paroxysme cette nuit, et le Seigneur saura que vous êtes arrivé, pas pour une indication, que vous êtes arrivé au comble de votre consécration, vous êtes prêt
à partir. Je suis prêt à partir. Je suis prêt à aller à un niveau de grand service. Et le Seigneur le fera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons. Deuxième roi 2, verset 1 et 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Grête-y, attends-y, tu peux prendre ta position. Je te prie car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « La consécration. » Élisée répondit, « L'engagement. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il descendit à Bethel. Il a des gens. Et Élie est plus âgé. Élie est plus âgé que Élisée. Et il allait à ici. Et il allait à Gilgal, il allait à Jéricho, il allait au Jourdain. Jeune homme, reste ici, tu peux prendre le temps de te reposer, et prendre ton congé. Et l'homme dit, non, tu n'es pas fatigué, je ne le suis plus non plus. Quelqu'un là-bas, es-tu fatigué? Y a-t-il une personne épuisée là-bas? Le Seigneur va ôter toute lassitude au nom de Jésus-Christ. Voyons, et Élisée. Et cet homme et la consécration de Élisée, un homme, et voilà la consécration aussi de la femme Ruth. Et la même consécration que Élisée avait, et la même consécration Ruth avait. Donc, vous ne pouvez pas dire que je suis une sœur, mais il y a la consécration. Je suis une sœur, mais il faut vous consacrer. Je suis ceci et cela, mais vous pouvez vous consacrer. Et le Seigneur honorera votre consécration, le Seigneur bénira votre consécration et vous ferez quelque chose que vous n'avez jamais imaginé dans votre vie. Et vous allez le faire pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ruth au chapitre 1, verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Y a-t-il quelque chose qui soit différent de celle d'Élisée? Votre consécration ne sera pas différente. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. L'Éternel nous appelle à une consécration élevée, une consécration ample, une plus profonde consécration. Il nous appelle à faire la déclaration de notre bouche, comme Élisée l'a dit à Élie, comme Ruth l'a dit à Naomi, que non, je ne vais pas me retourner, non, je ne vais pas rester ici, non, je ne vais pas t'abandonner. Là où tu vas, j'irai. Là où tu restes, je vais y rester. Là où tu te loges, je vais me loger. Ton Dieu sera mon Dieu, et ton peuple sera mon peuple. Et dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. C'est autre chose que la mort vient me séparer de toi. Donc, voyons, deuxième, retournons à 2 Rois 2, verset 3. 2 Rois 2, verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Et lui dire, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Ouais, ils sont des griots, des conteurs. Et ils pourraient aussi se consacrer comme Élisée, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne vont pas me déranger, ils ne vont pas m'empêcher, ils ne vont pas m'arrêter. Je dis qu'ils ne vont pas m'empêcher. Oui, cette parole inarrêtable, imparable. J'attends les jeunes ce dimanche, ce samedi. Nous allons parler des réalisateurs imparables, inarrêtables. Avant qu'ils viennent, je vous dis, c'est que vous là, frères, sœurs, vous serez inarrêtables. Vous serez imparables.
un nouveau voyage commence. Un nouveau progrès vient. Une nouvelle prophétie est sur le point de s'accomplir dans votre vie. Tout ce qui vous a empêché dans le passé, maintenant je suis imparable. Je dis maintenant je suis inarrêtable. Non seulement ça, vous serez imbattable. Tout ce qui est contre le bateau de votre vie, de votre ministère, vous êtes invincible au nom de Jésus-Christ. Et tous ces gens qui disaient que est-ce que c'est que l'Éternel enlèvera ton maître? Il dit que oui, je le sais, mais taisez-vous. Voilà le verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Voyez cela, la déclaration est encore faite. La phrase est encore mentionnée. Et que tu as assez fait. Tu t'es vraiment consacré. Reste ici. Prends une pause ici. Repose-toi ici. Élisée dit non, je ne suis pas un tel homme. J'avance. Je suis en déplacement. Je vais servir le Seigneur. Toute forme de fatigue, que le Seigneur l'ôte de votre vie au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas seulement Élie seul, mais je vais à 2 Samuel. La consécration ne s'est pas arrêtée au niveau d'Élisée. Il y a des gens à qui la parole est parvenue. Arrête-toi ici, reste ici, maison du Nord. Non, j'avance. Quelqu'un là-bas avance cette nuit. Je dis, quelqu'un là-bas avance cette nuit. Vous avez un esprit invincible. Et vous avez un cœur qui dit, j'avance. J'avance. Moi, j'avance. Cet esprit d'épuisement, que le Seigneur l'enlève de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel, chapitre 15. 2 Samuel 15, verset 19. Le roi dit à Ittaï de Gath, pourquoi viendras-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger. Reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais, retourne et amène les frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Et Ittaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur, le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur, le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Vous voyez, le même cœur avec Élisée, le même engagement avec Élisée, la même consécration avec Élisée. C'est le même cœur que vous avez cette nuit. C'est le même cœur que vous avez cette nuit. David dit alors à Ittaï, va passe. Et Ittaï de Gath passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Tous ont passé. Il y a quelqu'un là-bas qui décide de déterminer, qui décide de passer. Il n'y a rien qui vous fera, il n'y a rien qui vous fasse retourner au nom de Jésus-Christ. Deuxième roi 2, 5. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Ils sont des gens qui ont des révélations, mais ils n'ont pas l'inspiration, ils n'ont pas la détermination, ils n'ont pas compris que si Élie devait quitter aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recevra de lui ? Est-ce que tu sais que l'Éternel enlèvera ton maître de toi aujourd'hui? Et
Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, regardez encore cela, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Nous avançons. Nous avançons. Si on dit que vous pouvez rester, regardez l'embouteillage en ville. Je vais rester à la maison. Est-ce que vous allez rester à la maison? Que vous pouvez prendre un peu de repos? Est-ce que vous allez prendre le repos? Voici un jour spécial. Voici le jour de double onction, de double puissance, de double portion. Vous allez avancer jusqu'à ce que vous ayez votre portion au nom de Jésus. Voyons Jean 6, Jean au chapitre 6, Jean 6, verset 67. Jésus donc dit aux douze, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Le Seigneur vous pose la question. Et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc nous avançons. Il dit, nous avançons. Nous devons voir la fin de cette histoire. Nous devons voir la fin de cet événement. Et cette double portion, nous devons voir quand cela est descendu. Je ne vais pas la rater. Vous n'allez pas aller aux toilettes. Vous n'allez pas courir aller quelque part. Cette nuit, comme la double portion vient, cela va te raconter là où tu es. Elle va te raconter là-bas. Revenons maintenant à deuxième roi 2. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élisée prit son manteau. C'est le manteau ça. Élie prit son manteau. C'est le manteau qui était venu sur lui en premier jour. Et il a vu le manteau. Il savait que Dieu va ôter son maître aujourd'hui. Et ce manteau ne sera pas exigé au ciel. J'en ai besoin. J'ai besoin de ce manteau. Quelqu'un là-bas, je dis, j'ai besoin de ce manteau. Personne ne l'ôtera de vous. Cela descendra sur moi aujourd'hui. Le manteau là descendra sur vous aujourd'hui. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent. Ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Ils ont traversé. Ils ont passé à l'autre bord. Ils passèrent tous deux à sec. Vous allez venir à l'autre bord. Vous allez traverser, aller à l'autre bord. Vous allez passer à l'autre bord. Tout ce qui ne me dérangera pas ne vous dérangera pas. Tout ce qui ne peut pas m'empêcher, ne vous empêchera pas. Tout ce qui ne me ralentira pas, ne peut vous ralentir. Vous et moi, nous passerons. Je dis, vous et moi, nous passerons. Si je suis fort, vous êtes fort. Si je suis en bonne santé, vous êtes en bonne santé. Si je suis heureux, vous êtes heureux. Si j'ai réussi, vous allez réussir. Vous devez avoir la même puissance. Vous devez avoir le même esprit. Vous devez avoir la même victoire. Je vous transfère la victoire. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. La force dans votre vie. La puissance dans votre vie. La guérison dans votre vie. La délivrance dans votre vie. La révélation dans votre vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. La connexion avec la puissance divine. La connexion avec la puissance divine. La connexion est venue. Je dis, la connexion est venue. Voyons cela. Deuxième roi 2,
Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Que la prière soit audacieuse, que ce soit une prière de courage, que votre prière soit pleine, que votre prière soit bien détaillée, que votre prière demande ce que vous n'avez pas reçu, ce que vous n'avez jamais vu, ce que vous n'avez jamais vu en aucune autre personne. Vous ouvrez la bouche largement et le Seigneur la remplira cette nuit. Et dit, qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Que demande, demande. Jérémie au chapitre 29, je lis verset 13. C'est pour vous cette nuit. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous allez le trouver cette nuit. Vous allez trouver la puissance cette nuit. Vous allez trouver la double portion cette nuit. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ce que Élisée a fait de tout son cœur, de toute sa consécration, de tout son engagement. Il a cherché ce qu'il voulait et l'a obtenu. Cette nuit, vous l'obtiendrez. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses vous seront données cette nuit, la double portion cette nuit, la double promesse cette nuit, la double puissance cette nuit, la double provision cette nuit, la double prophétie cette nuit, et le double héritage pour vous cette nuit au nom de Jésus. La puissance numéro 1, la puissance de filiation. Jean, chapitre 1, verset 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La puissance, le pouvoir de filiation est dans votre vie. C'est pour vous de le demander. S'il y a quelque chose en vous qui s'ébranle, le Seigneur a donné le pouvoir à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu. Il donne le pouvoir de filiation, le pouvoir de salut. Romains 1, 4 dit, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, il y a la puissance pour la sanctification, il y a la puissance pour la sainteté, il y a la puissance pour le salut, il y a la puissance pour la sanctification qui est disponible cette nuit. C'est disponible cette nuit. Que votre amen soit comme la main de Élisée. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Le salut est là. La sanctification est là. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes sauvé, sanctifié depuis longtemps, mais l'immersion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit n'était pas là. Dieu merci, vous êtes là cette nuit. Cette nuit, c'est votre nuit. Parce que c'est dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui dise Amen?
Je vais au Colossiens 1. Colossiens 1. Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Cette puissance ne vous dérangera plus, ni au marché, ni dans la famille, ni dans le rêve. Il y a la puissance cette nuit, et la puissance là sera permanente dans votre vie. Partout où vous allez, lorsque les gens vous verront, ils fuiront. Parce que c'est dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés. Je suis transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Disponible cette nuit. Deuxième Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance. C'est la puissance dynamique, c'est la puissance de guérison, c'est la puissance qui transforme, et c'est la puissance que le diable ne peut pas recevoir. C'est une puissance irrésistible. Comme sa divine puissance nous a donné combien de choses aurez-vous cette nuit? Combien de choses pouvez-vous posséder cette nuit? Combien de miracles allez-vous amener à la maison cette nuit? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. La nature satanique est ôtée, la nature adamique est ôtée, la nature humaine est ôtée, la nature de nos ancêtres est ôtée, la nature des aïeux, voici comment ils agissent, la nature est ôtée, notre enclin propension adamique est ôtée au nom de Jésus, participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Cela se passe cette nuit. Voyons Luc au chapitre 10, verset 19. J'amènerai quelque chose à la maison. Je ne serai plus le même. Quelque chose vient dans mon âme. Quelque chose vient dans mon esprit. Quelque chose vient sur moi. Ce soir, je le sens. Ce soir, vous le verrez dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Luc 17, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Faiblesse, sort. Infirmité, sortez. Peur, sortez. Doute, sortez au nom de Jésus-Christ. Les tremblements, je crains, je ne peux pas le faire, tout est ôté cette nuit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Toutes ces choses viendront sous vos pieds et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, quelqu'un là-bas, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Voyons, notre homme Élisée nous attend. Vous n'allez pas me voir que je l'ai reçu pour que vous aussi que vous l'ayez. Élisée l'a obtenu. Élisée l'a reçu. Je dis, Élisée l'a reçu. Je l'ai déjà reçu. Deuxième roi 2:11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu
et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, est-ce que vous allez le regarder? Et criait, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. C'est pour vous. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Ce Jourdain sera divisé pour vous. Ce Jourdain sera divisé pour vous. Vous allez passer. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, ils vous verront. Ils verront la puissance sur vous. Ils verront l'onction sur vous. Dit l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre. Ils se prosternèrent contre terre devant lui, devant vous. Sœur, je dis devant toi. Mon frère, je dis devant toi. Maintenant, on va à Éphésiens. C'est votre verset cette nuit, votre verset. Éphésiens 3, verset 20. C'est votre verset. Il faut dire, c'est mon verset. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. La double portion sur votre vie. Amen. La double onction sur votre vie. Amen. Un double miracle sur votre vie. Amen. Tout ce que vous demandez cette nuit, au-delà de ce que vous demandez, au-delà de ce à quoi vous pensez, il y a une puissance qui agit en vous. C'est fait cette nuit. Alors vous devez maintenant vous lever et dire, Seigneur, c'est ma nuit. Seigneur, c'est ma nuit. Seigneur, c'est ma nuit. C'est la nuit de double portion. C'est la nuit de double portion. C'est la nuit de double portion. Le salut est disponible. La liberté est disponible. Le pardon est disponible. La rédemption est disponible. La délivrance est disponible. La guérison est disponible. La domination est disponible. La sanctification est disponible. La santé est disponible. La prospérité est disponible. La puissance est disponible cette nuit. Tout besoin sera pourvu. Toute prière sera exaucée. Toute requête sera souvenue. Vous pouvez prier le Seigneur cette nuit. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Il n'y a rien trop grand cette nuit. Il n'y a rien qui soit trop éloigné de moi ce soir. Cela se passe. Cela se passe cette nuit. Cela va se passer. Cela va se passer. Priez le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là. C'est la raison pour laquelle nous sommes là cette nuit. C'est à cause de toi que le message est venu. C'est à cause de toi que la déclaration est là cette nuit. C'est ta prophétie. C'est ta portion. Voici, c'est ta promesse. Cela viendra sur toi cette nuit. Tout ce que tu demandes, il n'y a rien qui soit soustrait. Tout ce que tu demandes, il n'y a rien qui soit déduit de cela. La victoire sur le péché est disponible cette nuit. La justice est disponible cette nuit.
La puissance de filiation est disponible cette nuit. La puissance pour la sainteté est disponible cette nuit. Ce manteau viendra sur votre vie. L'homme de Dieu l'a déclaré et cela s'est produit. Il a fait la consécration et il a fait la connexion et cela s'est produit. Dites-le au Seigneur cette nuit. Toute la consécration du passé que vous avez faite, ramenez toute la consécration et mettez tout sur l'autel. Renouvelez votre consécration devant le Seigneur. Je ne vais pas rétrograder. Je ne vais pas me détourner du Seigneur. Je ne vais pas prendre la pause en cours. Je ne vais pas prendre la pause en route. Je ne vais pas me détourner à mi-chemin. Tout ce que j'ai dit au Seigneur, je le ramène sur l'autel. Brisez le pont derrière vous. Pas de retour. Faut pas, il n'y a pas à faire de vous détourner du Seigneur. Il n'y a pas à faire de vous de faire un détour, un demi-tour. Vous soumettez tout à Jésus. Vous abandonnez tout à Jésus. Tout votre corps, votre âme, votre vie, votre temps, votre trésor. Abandonnez tout au Seigneur cette nuit. Ce que vous aurez en échange est plus grand. Et faites cela avec joie. Faites cela sans réserve. Que le fait de suivre le Seigneur soit sans interruption. Je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Il n'y a pas d'épuisement. Il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de découragement. Et il n'y a pas le fait de regarder les mirages. Il n'y a pas le fait de regarder le monde. Il n'y a pas le fait de regarder en arrière. J'abandonne tout à Jésus. J'apporte ma vie. J'apporte tout ce que j'ai reçu. J'apporte tout ce que j'ai à Jésus cette nuit. Il a tout donné pour moi. Je lui donne tout. Toute voix qui dit « reste ici », du nord, je monte. Regarde en arrière. Non, je regarde devant moi. Et tombe. Écroule-toi. Crains. Sois découragé. Sois faible. Non. Pas encore. Plus jamais. Plus jamais. Les promesses de Dieu sont oui et amen pour vous cette nuit. Les promesses de Dieu n'échouent pas. Cela ne va jamais échouer. Dieu vous exauce. Voici votre occasion, votre chance. Voici votre opportunité. Le Seigneur exauce la prière. Tout ce que vous demanderez en son nom, il le fera. Il ne peut jamais échouer, il n'échouera pas, il ne ment pas. C'est le Dieu fidèle. Confessez toute faiblesse du passé et
abandonnez-la. Est-ce que vous avez ôté quelque chose de l'autel de consécration dans le passé? Ramenez tout au Seigneur. Nous avançons. Nous avançons. Demandez une double victoire, pas seulement une simple victoire sur le péché, pas seulement une victoire superficielle sur le péché, une grande victoire, une victoire très profonde, une victoire, une ample victoire, une victoire élevée, une double victoire, une victoire absolue sur le péché. Pas une sanctification superficielle, mais profonde, élargie, ample, élevée. Une purification au-dedans et au-dehors. Une double purification, sainteté. La double puissance du Saint-Esprit. L'immersion dans cette puissance, le revêtement de cette puissance, la saturation de cette puissance, que tout angle, tout coin de votre âme, de votre vie, soit saturé de l'esprit, que l'esprit de puissance, une double onction qui brise toujours. Demandez-le. C'est le Dieu fidèle. Priez le Seigneur, il le fera pour vous. Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'avais faites. Il fera de plus grands parce que je vais au Père. Il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Qu'il y ait la confirmation dans votre vie cette nuit, qu'il est la réalisation en vous cette nuit, qu'il est la démonstration dans votre vie cette nuit. Croyez, les signes et les prodiges sont pour les croyants. Les prodiges sont pour les croyants. Les miracles sont pour les croyants. Personne ne vous ravira votre portion. Priez le Seigneur, parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Le Seigneur ne vous abandonnera pas cette nuit. Il a promis, vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Il a promis de faire ce que vous n'avez jamais fait. Il vous a promis la puissance. Vous verrez la puissance au-delà de tout pouvoir que vous avez vu dans votre vie.
ne laissez aucune pierre intacte. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce que Dieu a promis, voici votre opportunité. Voici votre occasion de prier le Seigneur. Que le Seigneur le confirme dans votre esprit. Qu'il le confirme dans votre cœur. Qu'il ait l'assurance en vous. L'assurance. Élisée l'a reçu sans doute. Une évidence immédiate, une évidence instantanée. Même ceux qui regardaient pouvaient dire que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Qu'il est la confirmation dans votre cœur. La connaissance de l'esprit que vous avez, qu'il en est ainsi, sans aucune ombre de doute. Tenez-vous sur les promesses de Dieu et vous n'allez jamais échouer. Recevez l'accomplissement. Cela ne fera jamais défaut. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a exaucé. Je dis, le Seigneur vous a exaucé.
Vous l'avez reçu. Je dis, vous l'avez reçu. Il faut le dire, je l'ai reçu. Il faut le dire, je l'ai reçu. Que le ciel le confirme sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez dit dans la prière est confirmé au ciel. Comme nous deux, nous nous accordons pour demander la chose, le Seigneur l'a déjà faite. Vos joues sont brisées. Votre vie spirituelle est maintenant en haut. La puissance dans tout domaine est maintenant dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous allez sortir fort. Le puissant nom de Jésus fera des prodiges dans votre vie. Tout ce que le calvaire a fait pour vous, vous appartient à partir de cette nuit. Voilà la personne dont je parle maintenant. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour la victoire de cette nuit. Nous te remercions pour la délivrance. Nous te remercions pour la guérison. Nous te remercions pour la domination. Nous te remercions pour la transformation. Nous te remercions pour la sainteté cette nuit. Nous te remercions pour la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour tous tes enfants. Que tu confirmes ta bénédiction, la double portion sur toutes tes vies au nom de Jésus. Toute promesse qu'ils ont réclamée, toute puissance qu'ils ont reçue, je prie qu'il ait la manifestation dans toute ta vie. Je prie, Seigneur, que tu acceptes leur confession, que tu acceptes leur consécration, que tu acceptes leur soumission absolue. Change, transforme chaque frère, chaque soeur ici en une personne différente au nom de Jésus. Que ta puissance réside en eux. Que ta puissance aille avec eux. Je prie, Seigneur, qu'ils arrachent, qu'ils abattent tout pouvoir de l'ennemi. Comme ils sortent au nom puissant du Seigneur, ils seront forts au nom de Jésus. La guérison pour tout le monde, à ma droite, à ma gauche, devant moi, et partout où ma voix s'attend, sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie que les yeux aveugles s'ouvrent au nom de Jésus, que les boiteux se lèvent et marchent au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont des maladies héréditaires, qu'elles soient ôtées au nom de Jésus. La puissance des serpents, le pouvoir des serpents, des scorpions, des puissances maléfiques, des démons, que tu sois supprimé au nom de Jésus. Le courage sur ton peuple. La puissance sur ton peuple. Le courage pour ton peuple. Seigneur, que tout ce qui est négatif soit balayé cette nuit au nom de Jésus. Le miracle dans toute vie. La manifestation dans toute vie. La démonstration dans toute vie. Je prie, Seigneur, comme ton peuple rentre à la maison, qu'il aille dans la joie du Seigneur. Qu'il aille avec toutes les réponses de leurs prières au nom de Jésus. Pour tout le monde ici cette nuit, une double portion. Pour tout le monde ici cette nuit, une double puissance. Pour tout le monde ici cette nuit, une double révélation. Je prie, Seigneur, que tu vives en grande dimension dans tout le monde. Que tout le monde reconnaisse que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme ton peuple rentre à la maison, nettoie la voie pour eux. Je prie, Seigneur, que le succès, le boulot, la prospérité, le miracle, les enfants de miracle et la vie pour ceux qui sont en bas soit accompli dans toute vie au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Il vous a exaucés. Je dis, le Seigneur vous a exaucés.
Je dis, le Seigneur vous a exaucé la double portion d'avoir.